Donc du coup nous avons Arcaride contre Infinite. Pour le commencer, pour faire la finale, on le fait directement parce que Arca n'a pas le temps. Donc c'est parti. Partez. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Claude contre Palutena. Compliqué. Deux bons jeux, deux très bons joueurs hein, qui ont montré je peux parler. Très serré, hein, très serré. Il va s'amuser à jongler avec Palutena comme il l'a fait pour. J'avoue, il sait jongler. Palutena sait faire chier le monde aussi, mais Claude sait jongler. Palutena, c'est un personnage très difficile à faire. Ah là, oh, Claude qui dégage Palutena. Prochain tournoi, une meilleure co. Une meilleure co, effectivement, la meilleure co. Non mais de toute façon, la prochaine fois, ce sera au Stade de France, les gens. Ne t'inquiète pas. En mode LAN, il y aura un mode LAN d'ici là, pas de soucis. Oh mon dieu, Palutena qui a... Toujours un avantage pour Claude, mais léger quand même. 23%, c'est encore possible. C'est serré, voilà. Hein, c'est 14. Serré. Bonsoir, ils sont toujours à 2 stocks. Oh, le coupteur bien placé. Attention, la limite de Cloud. Et ça jongle. Ça jongle. Oh, Palutena s'est jonglé avec Claude aussi. Les deux, les deux persos jongleurs de ce tournoi. C'est vraiment pas un exemple, ça. Oh, Infinite qui s'est TP. Je pense qu'il cheat. Hein. Un bon petit cheat et le tournoi est gagné, moi, je vous dis. Oh attention, 158%. Arcaride, tu peux le dégager. Ça veut pas dire non plus que nous n'aimerons pas Infinite. Arcaride qui dégage son adversaire. Attention, l'avantage est pour Infinite. Infinite qui a un avantage de 46% sur Claude. Oh, elle continue à agrandir cet écart entre les deux joueurs. Rappelons que c'est tout de même le premier match. Il en reste deux autres après. Si, c'est un BO3. Ah, le, contre... le bouclier et ouais, c'est fini. 1-0 pour Infinite face à Arcaride. Alors, je montre quand même ça pour montrer à quel point tout le monde aime beaucoup Infinite. Et je te donne 5€ si tu laisses l'Uanime gagner. 10€. Si tu laisses l'Uanime gagner. Fatal disait, je pense que Arcaride serait bien qu'il gagne pour avoir une magnifique finale en 3 matchs. Ainsi, vous pourriez voir la plan Piranha de Infinite. Je jouais ses meilleurs atouts après. Allez, c'était pas terminé. Oh, le saut de la haie. le truc. C'est incroyable. La boule magique qui est contrée. Oh là là, il l'a mangé la boule magique. Il a fait am nam nam avec Arcaride qui tombe. Il s'est fail. Mesdames et messieurs, il s'est fail. Oh, attention. Et non, ça se fait. C'est il dégage. Bien joué, Arcaride. C'est incroyable. C'est pas terminé, mesdames et messieurs. Arcaride. Ressaisis-toi. Oh, dommage. Oh. Et le contre. Il a pas réussi à jongler son adversaire. La boule magique. Oh, la boule magique qui passe. Le double de pourcentage. Oh, il revient sur le terrain. Dangereux, il est au bord du terrain. Il se ressaisit un petit peu. Oh, compliqué. Il a essayé de bloquer. Il a. Oh là là. Oh, un sacré avantage. Mais qui se fait dégager. Oh, et non, c'est toujours pas éjecté. Oh mon dieu. La boule magique qui passe. La deuxième boule magique. Et ça se passe. Oh mon dieu. Ça remonte sur le terrain. Ça se passe, les boules magiques. Oh, il s'est éjecté. Il est sorti du terrain. Ah là là, oh la boule magique qui passe! Ah, c'est Arcaride qui est. Et Arcaride qui se bouffe la vitre dans la gueule! C'est Infinite! Infinite qui remporte devant près de 13 viewers! Infinite remporte son premier titre! Incroyable, mesdames et messieurs! Dingue! Ah non, la plante Piranha, c'est vrai, quel dommage, Mais c'est pas grave, Arca, t'as quand même bien géré, tu pourras retenter. Le deuxième tournoi pendant les vacances d'été. Alors, on peut applaudir Infinite qui vient de gagner ce PNG de Waluigi. Bravo Infinite, bravo, incroyable mesdames et messieurs, c'est fou ce qui se passe ce soir. Et aussi Arcaride, mais Infinite a une récompense en plus comparément aux autres, c'est que Infinite gagnera un sub offert par moi-même. Voilà. Ok, je le casse, ça fait chier. Un troisième joueur pourra gagner le PNG Waluigi en trophée. Et c'est qu'on va voir
comme prochain match. Du coup, Béranger et Lama, rejoignez le terrain pour peut-être un dernier match, parce que on va aussi faire des matchs pour continuer jusqu'à la soirée, quoi. Des matchs super génial. La troisième place, y'a quoi à gagner, que dalle? Pas un PNG. Alors, celui qui gagne, non, celui qui perd du coup, tu dois un KFC, I go. Bref, commençons ce match avec Béranger Lama, Béranger Bowser, Lama Falcon Punch. Incroyable. Le gros cul. Le gros cul dans la gueule. Et la première, le premier stock. Incroyable. Le souci. Oh le bâtard! Le gros fils de pute! Béranger! Ce gros bâtard! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ah, je pense qu'on peut clipper ça! C'était énorme! Incroyable! Quel salaud! Il fait oh, 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 oh! Comme ça là, incroyable! J'ai plus de voix! Alors, non, j'ai mieux. Celui qui va gagner remportera une voiture, une Clio 3, mesdames et messieurs! Des étoiles filantes, c'est le rêve. Qu'est-ce qui... Putain, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il est con, lui. C'est sur le terrain qu'il faut jouer. Et le rouleau compresseur. Oh, rondoudou, plein de choses, bien évidemment. Alors, oh, la giclée. Giclée sur 20 de la part de Béranger. Mais pourquoi il y a... Alors, je ne comprends pas pourquoi quand nous partons de l'écran, il y a un gros singe qui prend notre place. Quoi? Je sais pas, des fois on disparaît, il y a un gros singe à la place. Mais sérieux? Oui. Il y a donc quiconque des fois qui apparaît, je sais pas pourquoi. Ah, bon ah ok, ouais, je viens de comprendre. Ah merde, on peut voir l'auto quiconque, je viens de comprendre. Ah mais c'est son fond d'écran. Oui c'est mon fond d'écran. Plus c'est dommage. Oh le dodo qui mais... passe pas dans la vitre. Et c'est loupé le rouleau. Oh là, oh boum. La main derrière, chaud pour dormir. Et c'est le dodo. Oh le dodo de Lama. Lama, c'est son main rondoudou, moi je vous dis. Ah Zelda et Link enfant. À tout moment, Link peut être un gros bâtard et tout simplement arrêter la série Zelda en la tuant. Voilà. Et ne pas être le héros de Hyrule. Oh Lama a allumé la mèche de Béranger. Alors. Et c'est éjecté. Pétage de cul, Béranger éjecté par Lama. Tu sais les commentateurs qui veulent du jonglage. Allez jongler les autres. Jongler le cirque pinder. Oh là, là. Oh là. Il a jonglé. Du coup je vous envoie une MP. Évitez de les afficher. Oui oh là, alors on va essayer parce que. Attends je vais chercher mon téléphone. Coupe le live. Et Lama qui gagne. Incroyable Lama. Bravo Lama. Alors nous allons afficher le la totale, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui! Attendez, le classement, mesdames et messieurs, regardez-moi ça! Alors, du coup, nous avons Arcaride qui est en deuxième place, Infinite qui a gagné ce premier tournoi. Du coup, il gagnera. Ah non, pas mérité, c'est pas mérité. Hein. Oui. Hugo, faut que tu changes de scène. De scène. On a un invité spécial. Attendez. Avant de commencer le match, on va passer. Au commentateur plus grand, voilà c'est fait, la scène est lancée. Il faut mettre une musique aussi. Attends, je reviens. C'est fini. Bonjour à tous. Regarde, fini, ton trophée. Attends, viens tout. Je vais être là. Regarde, ce pot de trophée à côté de toi. Incroyable, et là je suis tout seul. Regarde, il te gratte le net. Il te gratte le nez. Corinne contre Snake. Ah, le fond vert. Le fond vert. Ah merde. C'est trop. Oh mec, tu mets un filtre sur le truc du jeu. Oh comme ça on serait. Et attends, tu mets ma cam. Comme ça on est derrière le stade. On fait attends, comme ça. Attends, je le fais. Attends, je le prépare. Attends. Ça va. Battez-vous là, mon enculé. Là, c'est parti. Ah, il s'est fait péter le cul, animal, dans ton cul. Attends, le visage d'Infinite. Bonjour, je suis Infinite en deux. La régie est incroyable, là, c'est fou. Mais moi, je vais faire que des matchs sur cette map là à la fin. Moi, c'est trop bien. Attends, j'ai une idée pour. Attends, j'ai une idée pour le fond. Attends. Ah. Et attendez, un effet incroyable qu'on peut faire. Oh.
Salut Donkey Kong, ça. Il te juge un peu derrière. Oh, oh, Nortox. Regarde ce ours. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que le seul change là. Putain. Ah bah. Ah. Oh. Oh. Et c'est la fin. Oh mon dieu. Mais là vous me cassez les couilles, vous de singe là. Ah merde, on a disparu. On peut faire le dernier round? Non. Putain. Ah merde, on le voit. C'est fou. Merde, on voit sa bouche. Oui, on voit le singe derrière. Normalement c'est pas... Le terrain Donkey Kong. On peut dire que l'Uanime a gagné le tournoi. On peut l'applaudir, il pourra avoir son sub offert. Ouais, bravo. Bravo l'Uanime, incroyable, mesdames et messieurs. Batacraft a fait 1000 combats sur son compte. Oh, oui, je veux bien. Ah. Non, tu l'as pas fini, t'as perdu. Voilà, donc c'était un très bon tournoi. Du coup, on va passer aux commentateurs qui ont pu participer, qui sont derrière le champ de bataille. Incroyable. Donc, oui. Que pensez-vous de tout ce tournoi? Il fut la merde le tournoi. Non, Nintendo, c'est les cassos, ils cassent les couilles avec leur serveur de merde. Voilà. Troisième partie, c'est fait. Maintenant, il faut que je m'occupe du best-of. Oh! Bonjour! Vous attendez pas à cette fin de vidéo, hein? Alors, je fais juste une petite apparition sur ce montage qu'un monteur a fait pour tout simplement vous annoncer que les inscriptions sont déjà ouvertes pour la troisième session du tournoi. Alors, je redis quand même le mois parce que certains n'ont peut-être pas vu la vidéo où j'ai dit un peu d'annonce, etc. C'est que ça passera le décembre. Je sais pas si ce sera la première, la deuxième ou la troisième semaine de décembre. Voilà, je tiens à vous préciser, je vous le dirai ça sur Twitter, sur YouTube. Voilà, je vous annoncerai à l'avance. Du coup, tout est dit dans la description et vous pouvez rejoindre facilement. Et encore merci pour cette année de ouf pour faire 3 sessions de tournoi Smash. La deuxième session arrive très bientôt pour le best-of. Ouais.